Le championnat de pâtisserie rythme le quotidien des étudiants de l'hôtel Beaumont dans Ici tout commence. Pendant que la première épreuve a placé Noémie, Lucia Passaniti, en première position du classement, cette dernière a été remplacée par le chef de l'Obel en personne. La deuxième étape approche sous une tension palpable. Dans l'épisode diffusé ce jeudi 28 juillet 2022 en avant-soirée sur l'antenne de TF1, Greg est très inquiet pour l'avenir de son père lors du duel qu'il oppose au chef de Mire. En effet, il pense que Benoît aura la même sentence que l'ancienne professeur de l'Institut Auguste Armand. Greg angoissé pour son père dans Ici tout commence. Greg n'est pas concentré et le chef de l'Obel, Joseph Malherba, lui demande de se reprendre en affirmant que tout va bien se passer. Pour la préparation de son dessert, le responsable de l'hôtel Beaumont court chercher des pistaches dans le garde-manger. Le compagnon d'Eliott, Nicolas Anselmo, est à ses trousses. Alors qu'il se rend au devant de son parent, Marius fait un geste affectueux et Greg se recule instinctivement. Pendant qu'Anaïs déplore le manque de professionnalisme de son partenaire, le chef de Mire, quant à lui, recadre calmement sa commis en rappelant que la cohésion est importante. Elle se résigne à laisser son collègue de brigade imposer quelques choix. L'heure de la dégustation a sonné pour le premier duel. Cependant, Marius est absent, car il est parti dans sa chambre. À la fin de la délibération, Greg, Michael Mittelstadt, aperçoit son ami d'enfance entre la vie et la mort. Est-ce la nouvelle victime du corbeau ? Salomé amoureuse, Charlène intimidée sur TF1 pendant ce temps, Salomé, Aurélie Ponce, et Swann se retrouvent pour partager quelques moments ensemble, à l'abri des regards. Mais la chef Cardone, Alexandra van der Noot, les surprend en train de s'embrasser. Contrairement à Tessier, qui les a menacés, elle se montre compréhensive. Cette dernière persiste en disant que rien ne les empêche de faire ce qu'ils veulent. Au sein de l'Institut, Charlène, Paula Petrenko, persécute Mehdi et Hortense afin de faire vaciller le plan des amoureux dans le restaurant éphémère. Le pâtissier remarque que la compagne de Louis, Fabien Wolfram, n'est pas coopérative et critique sans arrêt ses directives. Il la recadre en lui posant un ultimatum, soit elle est avec eux, soit c'est la porte pour la fille de Tessier. La suite des aventures de l'Institut Auguste Armand est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Ici tout commence, diffusée du lundi au vendredi à partir de 18h40 sur l'antenne de TF1.